C'est très bizarre. En fait, on va pas. Plus j'agrandis le caractère, c'est le même livre en braille. Vous réalisez tout de suite le volume. Je ne vous donne plus aucune indication. Ça veut dire que ouvrez grand vos oreilles. Donc pour l'instant, on n'entend pas grand chose. Mais plus vous allez vous en rapprocher, faites confiance à vos oreilles. Pensez à écouter de temps en temps. On a besoin de ses oreilles. Travaillé sur le projet de l'Escape Game avec le lycée Tristan Bernard et le lycée Sainte Famille depuis le mois de juin. On a monté le décor au mois de septembre-octobre et puis on l'a fait tester par des collègues et puis
des élèves des deux établissements pour voir si c'était faisable, si c'était plausible, si c'était voilà, si c'était réussi. Alors, un escape game, c'est un jeu d'évasion. Ça consiste à être enfermé dans une pièce, à en sortir en un temps bien défini. Alors, la thématique, c'est vous êtes dans un vaisseau spatial. Il y a eu un gros problème sur Terre, il n'y a plus de forme de vie, sauf une. Vous rentrez dans le vaisseau, vous essayez de sauver la seule forme de vie qui a perduré sur Terre et vous essayez de sortir en maximum 20 minutes. En n'oubliant pas de sortir le vivant, le fameux vivant qui a été matérialisé ici par une plante.